Merci et bonsoir. Je suis américain. Quand je dis bonsoir, vous devez bonsoir, bonsoir. Comme Céline a dit que j'arrive le 1er octobre et la vérité est je n'ai pas eu du temps pour apprendre français très bien, mais je vais donner ma présentation en français. Ici, est-ce qu'il y a un mot qui... Ce n'est pas un mot vrai en français. Dites-moi, s'il vous plaît. Aussi, quelque chose que vous ne comprenez pas, dites-moi. Et je peux essayer une autre manière pour expliquer que j'ai. Mais j'écris tout en français et je vais lire et parler avec vous. J'habite à Plumeguer. Je n'habite pas à Plouzenay, mais je passe beaucoup de temps en Plouzenay, à le laboratoire d'excellence. Et j'ai le titre de chaire internationale d'excellence, mais je préfère le chaire international. Mais c'est le laboratoire d'excellence. Le chaire est excellente. Je ne suis pas excellente. ce soir, je vous... parler du sujet des acidifications d'océan. AO s'appelle AO. Et il y a personne qui dit que la AO est le jumelle evil, le jumelle mauvais de le changement climatique. Et je vais expliquer comment fonctionne le AO, l'acidification d'océan, et pourquoi c'est un problème pour les gens. Lorsqu'on parle de changement climatique, on parle habituellement de gaz de serre. Ceux-ci peuvent inclure le méthane, qui peuvent principalement des sources agricoles. Les sources agricoles et le gaz fluoré qui viennent de l'activité industrielle et le dioxyde de carbone. Tous ces gaz contribuent au réchauffement de la Terre qui comprennent le réchauffement de l'air et des mers. Ce soir, je vais me concentrer sur un seul de ces gaz, le dioxyde de carbone, ou CO2. Comme vous savez, je pense, les gens pompent plus de 10 milliards de tonnes de carbone dans l'air chaque année. Je vais me concentrer sur le CO2 ce soir, car en plus des changements de climat, le CO2 a d'autres effets chimiques sur l'océan et ce que vit. De ce fait, la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente à une vitesse très alarmante. Ce graphique montre la concentration de CO2 dans l'atmosphère à partir du début du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de 1950, ici, quand les gens commencent à brûler beaucoup de combustibles fossiles, les pentes de cette langue commencent à montrer très fortement, ici, montrent que les quantités de le CO2 dans l'atmosphère augmentent rapidement. Tout récemment, le niveau de CO2 est plus que 400 parts par million dans l'atmosphère. Il y a 10 ans, ce niveau et celui que nous espérions, on ne serait pas dépassé afin d'éviter une catastrophe. 400 ppm, c'est le niveau où nous espérons que nous pouvons stabiliser le climat. Mais vraiment, si nous sommes ici maintenant, vous savez que
Si on est déjà ici, alors on va certainement attendre des niveaux de CO2 sont à limite supérieure de ce qu'on a prévu. En plus de rendre le monde et ses océans plus chaudes, tout cela CO2 dans l'air s'est dissous dans l'océan, comme ça. En effet, la concentration dans l'air et l'océan sont dans un type d'équilibre. Plus CO2 dans les airs est le même que plus CO2 dans l'océan. Et ce CO2 réagit avec l'eau et il contribue à la production d'acide. L'océan devient plus acide. Initialement, les scientifiques inquiètent l'acidification des océans car elles rendent plus difficile pour les organismes de se développer et maintenir leur coquille de calcium. C'est une coquelette forte. C'est aussi un problème pour les organismes comme les papillons de mer. Ici, c'est un petit escargot de mer. Les récifs coralliens. Et nombreux types de plancton comme ces coquelettes forte ici. Ainsi, des autres organismes comme les huîtres et les coquillages. La perte des petits organismes carapaces est particulièrement importante parce que les escargots de mer, par exemple, le phytoplancton et des autres types de petits organismes à coquille formant la base de la chaîne alimentaire. L'acidification des océans rend également très difficile pour les récifs coralliens de maintenir leur forme. Coraux vivent dans un équilibre délicat de calcification et décalcification. L'acidification des océans a été montrée pour modifier l'équilibre loin et de la croissance des coraux à mort des coraux. À la photo de la gauche, ici, sur la gauche, montre un récif relativement en bonne santé avec une concentration de CO2 de 375 ppm. Ça n'existe pas maintenant parce que nous sommes dans un monde avec 400 ppm. Ici, c'est un récif après une cipe de carbone naturel à un niveau de carbone à 500 ppm. De nombreux organismes vivent sur les récifs coralliens et si les coraux disparaissent, ils ne sont pas en mesure de trouver de la nourriture ou un abri. L'acidification des océans représente donc une menace sérieuse pour la survie de nombreux écosystèmes marins et les personnes qui en dépendent. Quand les scientifiques et les écologistes ont d'abord appris l'acidification des océans, les craintes étaient que des niveaux élevés d'acidité feraient organismes s'édissoudre. Ceci est exactement ce que les scientifiques en Californie ont trouvé quand ils exposaient papillons de mer à niveau de CO2 en s'attendre d'ici à 2100. Après 3 jours, la carapace est dissolue. Mais il est plus que la décalcification des organismes. Il y a beaucoup d'autres pathways, comme on dit en anglais, il y a beaucoup d'autres mécanismes. La AO peut affecter les organismes. Par exemple, en effet, on sait maintenant une océan de plus en plus acide aura affecté sur les organismes à des niveaux qui sont beaucoup moins sévères que celui si désavant coquille.
Les niveaux inférieurs des AO peuvent réduire les taux de croissance, la fertilité et combien de temps les organismes vivent. AO peut modifier les chimies internes et la physiologie des organismes, même sous son coquille. En conséquence, il peut affecter la façon dont fonctionnent les écosystèmes entiers. AO peut affecter le comportement des poissons et même la façon dont le sang se propage dans les eaux, qui peut affecter la façon dont les baleines communiquent. On a déjà vu des changements dramatiques et rapides dans l'acidité de l'océan, comme ça. Quand l'acidité est plus forte, le pH est plus bas. Et les modèles climatiques prédisent que les océans vont continuer à devenir beaucoup plus acides. Mais combien dépend de la quantité de carbone de l'atmosphère? Comme un économiste, mon travail est de comprendre comment ces changements dans AO auront une incidence sur les gens. Je veux savoir comment les changements environnementaux affectent le bien-être humain. Pour ce faire, ce travail, je dois rassembler informations, les données où les risques environnementaux sont les plus grands et qui comprennent AO. On s'appelle les aléas environnementaux, où les organismes et les écosystèmes sont exposés à ces risques, la exposition, où les gens dépendent plus sur les organismes ou les écosystèmes touchés, s'appelle la sensibilité, et où les gens ne disposent pas de capacité pour faire face à ces changements, s'appelle capacité. Lorsque les risques environnementaux ont un effet direct sur la vie, les revenus ou la santé des personnes, nous appelons cela impact. Les trois ici produisent les impacts. Lorsqu'on peut également montrer que les gens éprouvent des impacts élevés et ne peuvent pas adapter ou faire face à ces impacts, on dit qu'ils sont vulnérables et nous pouvons mesurer la vulnérabilité. Il y a un certain nombre d'études qui ont examiné la santé des océans, du monde et comment les gens sont vulnérables et des changements dans l'état d'océan. Nous appelons son indice global, ou peut-être indicateurs, ou quatre, des les vulnérabilités des gens en face des les changements de la de santé de l'océan. Ces indicateurs incluent cet indice mondial de santé de l'océan, Ocean Health Index, et aussi du rapport des les universités des Nations Unies sur les risques, le premier est les risques à tout le monde, et le deuxième est risque côtier, seulement à l'épaille maritime. Et aussi, il y a un troisième type de cas ou d'études de vulnérabilité qui est enfoqué spécialement sur la santé des récifs coralliens appelés reefs at risk. Toutes ces études suivent une approche similaire qui comprend des estimations des vulnérabilités des personnes à la base des changements environnementaux. C'est comme ça les aléas, les expositions et sensibilités combinent pour déterminer qui pays, qui personne, qui communauté sont à risque des impacts. Et quand nous pensons aussi de la capacité
d'adapter ou changer en face des impacts, nous pouvons déterminer quelles communautés ou quels pays sont plus vulnérables. Le problème, un défi de ces études, cependant, est le concept de vulnérabilité a été développé pour comprendre les réponses d'échelle très locale aux changements environnementaux. Il est difficile de trouver des mesures globales au niveau des pays qui reflètent vraiment la capacité des gens à s'adapter aux changements environnementaux. C'est le nord de Bretagne. Normalement, les mesures utilisées comprennent le revenu par habitant, le revenu par capita, l'éducation et la santé. Le problème est que les pays qui ont très faible niveau de revenu, l'éducation ou la santé sont jugés vulnérables à tout. Et pays a toujours le cas. Pour exemple, les pays d'Afrique sont vulnérables à tout. Mais les pays des États-Unis, Canada, Europe, ils ne sont pas vulnérables à aucun risque. Et c'est ce que disent les études. Mais le problème et le concept de vulnérabilité, ce n'est pas bon à le niveau mondial. Pour exemple, regardez les Philippines. En 2013, les Philippines ont subi le pire cyclone sur record avec au moins 10 000 personnes ont été tuées. Cela correspond à l'histoire qu'on pourrait attendre à partir des indices qui permettent d'estimer la vulnérabilité, comme le World Risk Report. Les Philippines est là, et c'est vulnérable, mais c'est vulnérable à tout qui dit les études. Mais un an plus tard, les Philippines ont subi un autre cyclone qui était presque aussi grand et en raison de très bien planifiées et massives évacuations, très peu de vies ont été perdues. En d'autres termes, les Philippines ont adapté. Pense pour un moment de l'ouragan Sandy des États-Unis. L'ouragan Sandy n'est pas un vrai ouragan, mais 133 personnes ont été tuées. Mais les États-Unis, ce n'est pas vulnérable. Les États-Unis peuvent adapter, dit les études. Mais les choses, les capacités et les vulnérabilités, c'est une manière pour comprendre les différences entre un contexte régional, un contexte national. Ce n'est pas un concept pour comprendre les capacités, les vulnérabilités à un niveau mondial. Parce que la vulnérabilité est un phénomène local et parce que son utilisation dans les études mondiales peut masquer où les impacts des changements climatiques peuvent être grands, quand on regarde à haut, on adapte une approche à deux niveaux. Dans le premier niveau, à le niveau mondial, on laisse des capacités et sa vulnérabilité et de se concentrer sur l'endroit où les impacts peuvent être les plus grands. Les impacts, pas les vulnérabilités. Et ensuite, pour les endroits où les impacts semblent être élevés, on peut entreprendre des analyses plus petite échelle qui comprennent les capacités et la vulnérabilité, comme cette étude dans les États-Unis ou cette étude en France. Je vais marcher à travers deux études. Je travaille sur la une à niveau mondial et l'une à niveau local.
Au niveau local, je travaille avec beaucoup de collègues ici à Plouzenay et de tout le monde de comprendre comment AO pourrait affecter les récifs coralliens et les personnes qui en dépendent. On adapte une approche impact ici, pas vulnérabilité, et on concentre sur les aléas, les expositions, les écosystèmes coralliens et la sensibilité des gens qui dépendent dans les récifs coralliens. C'est une cartoon des problèmes. Les expositions ici, les coraux, et les aléas, il y a trois types de risques mondiaux qui se combinent pour avoir un grand impact sur les récifs coralliens et leur structure. Vraiment, il y a beaucoup de risques pour les corals, mais il y a trois grands risques qui sont dehors de le contrôle de les personnes qui habitent, qui vivent près des récifs coralliens. La première est le cyclone, comme j'ai mentionné avec les Philippines. Le cyclone, c'est un problème pour les récifs parce que tout d'abord, les cyclones endommagent régulièrement les récifs de corail. Normalement, le temps entre les cyclones est suffisamment long pour que les coraux puissent récupérer avant le prochain grand événement des tempêtes. Mais il y a un autre problème, c'est le stress thermique qui est causé par le changement de climat. Le stress thermique, c'est qui signifie que l'eau est trop chaude pour causer le blanchiment ou les coraux expulsent les algues qui vivent dans leur tissu et cela rend les coraux plus lents pour récupérer. Et il peut aussi tuer les coraux si le blanchiment durait assez longtemps. Mais c'est exactement comme les cyclones. Normalement, s'il y a un événement de blanchement, le prochain événement, usuellement, ce n'est pas moins que 10 ans. Et normalement, le coraux peut récupérer. Mais avec l'acidification des océans, c'est très difficile pour les coraux. L'acidification des océans, comme le blanchiment, permet également de réduire le taux de récupération des tempêtes et pour réduire le taux de récupération de le blanchement des corals moins connexes. La AO fait en réduire la croissance des coraux et en réduisant la survie des larves des corails qui rend une nouvelle colonie de coral moins probable. Les trois risques combinés sont les problèmes pour les corals. Dans le laboratoire, la AO et le stress thermique, les deux ici, combinés en plus grande, les AO et les stress thermiques combinés ont un plus grand impact sur la fertilité et la croissance, puis quand chacune se produit séparément. Et quand nous pensons que peut-être le coral peut évoluer pour en face de la stress thermique, ou le coral peut évoluer en face de l'acidification océanique. Et se passe plus rapidement avec les deux quand les deux sont hautes qu'il y a une ou l'autre. Donc on doit qu'il y ait de nombreux cyclones et s'il y a beaucoup de blanchements et l'acidification des océans est très forte, vont subir des pertes dans les structures des corals parce que le coral va mourir. Lorsque la structure des corail est perdue, elle fait les gens dans un certain nombre de façons. Et regardons-nous maintenant deux. Première,
les coraux protègent la côte et que les gens qui vivent près de la côte sont à risque lorsque la structure des coraux est perdue. Nous pouvons, cet service écosystémique, c'est un service, devienne directement de la coral, la protection du littoral. Deuxièmement, les coraux fournissent un habitat pour les poissons et lorsque la structure de les récifs coralline est perdue, poissons des récifs perdent habitat aussi. La pêche dans les récifs corallins, c'est le deuxième type de service écosystémique. Si on perd le corail, on perd les deux services écosystémiques. On mesure la sensibilité des personnes à une perte des récifs corallins par une carte ou la cartographie où les gens vivent à moins 10 mètres sous la mer et en 1 km des récifs coraux, parce que le coral est la principale protection en face de la vague, et les tempêtes, et l'augmentation des niveaux de la mer. Okay. Mais aussi, c'est important pour réaliser qu'il y a personnes qui vivent près des récifs, mais ils sont les bénéficiaires de la protection de la mangrove. Pour cette notre étude, nous nous enfoquons sur les personnes qui vivent près des coraux, mais il n'y a pas le bénéfice de la mangrove. Et utilisant les données de Sea Around Us et un projet de FAO et l'Université de British Columbia du Canada, nous pouvons marquer la dépendance des populations des poissons de récifs et estimer le nombre d'emplois, les personnes qui travaillent dans la pêche, la pêcherie, qui sont prises en charge de la récolte des poissons des récifs et le montant des revenus qui ces récoltes généreront. Et pour cette, nous avons données spéciales des risques, données spatiales des récifs, données spéciales des les gens qui habitent près des récifs et les gens et la valeur de la pêcherie. On peut cartographier ces aléas, exposition et sensibilité. Ici, on peut voir la fréquence des cyclones. On marque pays par quintile avec les pays des hêtres rouges dans la tape 20% de la plupart des cyclones fréquents. Et rouge foncé étant le top 10% ici. Les pays rouges comme le Japon, les Philippines et les États-Unis et Mexique ici, et les Caraïbes a beaucoup de cyclones. Et la fréquence est très très haute. On fait la même chose pour le stress thermique, c'est où le stress est plus fort, mais cette fois, on marque les pays par la façon dont ils vont bientôt atteindre un niveau de stress thermique qui est susceptible de causer le blanchiment. C'est pour je vous dire que le pays ici en rouge vont expérimenter le blanchiment des coraux plus rapide que les autres pays. Le plus rouge, le plus rapide. Dans cette diapositive, elle tracera la dépendance sur les récifs. En haut, vous voyez la dépendance sur les poissons des récifs, ici. Le pays plus rouge a la dépendance plus forte et plus haute
dans la poisson des récifs, seulement poisson des récifs. Ici, le pays plus rouge a la population plus grande à risque de les effets de eau parce qu'ils sont le pays qui a beaucoup de personnes qui vivent après des récifs et il n'y a pas de mangroves. Cette diapositive montre une carte préliminaire des conditions d'acidification des océans. Ce qui est montré est l'année où AO, acidification océanique, attend pour atteindre un niveau qui tue les larves des corail. C'est exactement le même que le stress thermique. Les pailles rouges sont les pailles où les larves des corail va mourir plus rapidement en tout le monde, toutes les pailles coralliennes. Mais regarde ici, quand il n'y a pas une couleur, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de données. Il y a beaucoup de parts du monde où les données sont très très faibles. Beaucoup de côtes ici d'Afrique à une ou deux mesures d'acidification océanique régulièrement. Ici, dans la mer Chine Sud, il n'y a pas un programme de monitoring et des collections de données d'acidification océanique régulièrement. Et pour ça, ce n'est pas possible pour faire une projection. Normalement, on peut voir une map où tout le monde est coloré. Mais vraiment, cette map, cette carte est une fiction éducative. Là, vraiment, il y a beaucoup de monde n'a pas très bon données sur l'acidification océanique. Et quand nous combinons tout ensemble, on trouve des pays qui sont susceptibles d'éprouver des risques pour les personnes et pour les pêcheries en raison des combinaisons de cyclones, blanchiment et AO. Ici, nous avons trois choses. La protection, la population qui habite à la côte, combien de personnes travaillent dans la pêcherie et la valeur de la pêcherie. Et si une paille est rouge, c'est vous dire que la paille est le plus quantile, le top 20% dans les trois risques. Et orange est deux risques et le jaune est un risque. On peut voir que l'Australie est... Australie a un problème très grand, oui. Et nous avons ce problème parce que la couverture de la corail dans le Great Barrier Reef Marine Park, le plus grand et peut-être le plus bon parc marin en tout le monde, a perdu 50% de la couverture corail pendant les dernières 30 ans. Et c'est parce que l'Australie a beaucoup de stress thermique, l'Australie a beaucoup d'acidification océanique, parce que l'acidification est plus forte dans les mers plus froides. Et aussi, l'Australie a beaucoup de personnes qui habitent ici, en face de le récif. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les pêcheries corallines. Mais ici, ce n'est pas une surprise qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de risques ici en Indonésie. Et Indonésie ici et les Philippines. Une surprise, c'est le Japon. Normalement, le Japon, ce n'est pas un des pays dans les top 10% dans les études parce que la capacité du Japon est très haute.
mais les impacts sur le Japon aussi sont très hauts. Et c'est un pays qui est un émetteur très fort des carbones, aussi Australie. Et Australie a changé récemment toutes les droits et les gestions de l'émission carbone. Mais ici, la Chine, il n'y a pas donné. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes ici dans le sud de Chine qui dépendent dans les pêches, de la pêche de le récif. Il y a beaucoup de personnes qui vivent près d'un récif. Mais nous n'avons pas donné d'acidification océanique. Mais si Chine, le sud de Chine, et Vietnam aussi, et Cambodge, sont similaires à ces voisins, ils ont un problème aussi. Et c'est très important parce que la Chine est une des plus forts émetteurs de carbone dioxyde dans tout le monde. Et aussi, ils fassent plus grand risque d'acidification océanique. Et nous n'avons pas une étude, pas encore, à un niveau local pour les corals, mais j'ai travaillé avec une étude à niveau local dans les États-Unis sur les impacts sur les mollusques, et je vais vous parler de ça maintenant. Comme promis, on entend l'analyse de ce niveau pour inclure la capacité et la vulnérabilité à un niveau plus petit que tout le monde, à le niveau des États-Unis. Pour comprendre la vulnérabilité, on utilise 4 cases liées des AO pour montrer le danger qui fait face aux crustacés. Avant, j'ai parlé seulement des les effets des CO2 atmosphériques, mais aussi il y a un problème avec upwelling, et les algues, et les chimies de rivière. L'acidification causée par les upwelling, qui apporte l'eau riche en carbone des océans profonds, c'est un très fort problème, spécialement pour les côtes ouest des États-Unis, où il est très très fond. Il y a beaucoup de carbone dans la mer profonde, et quand les courants changent, et beaucoup de carbone viennent de la mer profonde. La croissance des algues induites par azote aussi, c'est un problème parce que ça change l'acidification locale de la mer. Et aussi la chimie de la rivière, c'est très important. Pour les rivières ont leur propre chimie, et les rivières sont très très acidiques en comparaison à la mer. Et il y a estuaires où la mer ce n'est pas le problème, c'est les rivières. Il est impact fluvial. Comme dans l'étude des coraux, on a des données sur la valeur de la récolte, les employés, combien d'employés qui nous mesurons sur le nombre des permis commerciaux, et la personne du chiffre d'affaires de la récolte des mollusques, parce qu'il y a communauté où les mollusques sont les principaux types de pêche de la récolte. Et pour ça, ils dépendent plus dans les mollusques. Et pour ça, il y a une dépendance plus grande et un risque plus grand aussi de l'acidification de l'océan. Pour l'étude locale, comme ça, on a également des données sur les mesures qui pourraient indiquer si une communauté locale a la capacité d'adapter ou de faire face aux impacts des AO. Ceci comprend le suivant: accès à la science. Si la communauté a accès à la science, on mesure cela
on utilise les bougettes des cigrantes. Cigrantes est comme l'infirmière, plus ou moins. C'est plus petit que l'infirmière, qui est un programme de sensibilisation aux sciences et le nombre de laboratoires de la mer. C'est un proxy pour l'accès à une communauté à la science. Aussi, il y a-t-il des alternatives employées disponibles pour les pêcheurs des coquillages qui peuvent ne récolter? En monsieur, c'est pas la diversité et la récolte des coquillages, avec plus de diversité pêcheurs qui signifie peut-être en monsieur d'échanger leur récolte à un coquillage plus résistant. Mais il y a communauté, par exemple, à Louisiana, dans le golfe du Mexique. Le seul coquillage qui se pêche là, c'est le huître. Ici, le huître est sensitif, à sensibilité à la acidification océane. Il ne peut changer à un autre type de coquillage. Enfin, on dépose des données si l'État ou les pêcheurs qui vivent à créer des... Non. On dépose des données si l'État ou les pêcheurs vivent à créer les lois pour limiter les impacts des AOE, parce que l'État de Maine, l'État de Washington a passé les droits contre la pollution des les rivières pour diminuer l'acidification océanique, ou s'il y a un plan d'adaptation, comme tout ici savent, je pense que Florida n'a pas un plan pour l'adaptation à l'augmentation des niveaux de la mer. Il y a plusieurs États dans les États-Unis qui n'ont pas un plan d'action sur le changement climatique ni le changement de l'acidification océanique. Comme dans l'étude précédente sur les coraux, on crée des cartes des données. Ici, on cartographe l'année qui AO, causée par le CO2 dans l'atmosphère, devient un problème pour les crustacés. C'est exactement le même que dans l'étude des coraux. C'est quand l'année, quand l'acidification est plus forte pour les coquillages. Et c'est tôt, c'est très tôt. C'est très, très tôt pour les Washington, ici, et pour Alaska. Mais nous avons seulement 15 ou 20 ans ici avant que nous regardions un impact des acidifications ici sur les coquillages. Ce n'est pas un problème de 100 ans, c'est un problème maintenant dans Washington State où les larves ont tué chaque année pour l'acidification océanique. C'est les pics dans l'acidification océanique qui passent quand il y a un événement acidifique. Ici, il y a les trois autres types de causes. Les autres sources, le upwelling, il n'y a pas un upwelling ici dans les côtes est parce que les profondeurs sont très bas ici. Mais nous avons les rivières qui sont un problème. Et les estuaires eutrophisés. Par exemple, dans les baies Chesapeake, quand j'étais un garçon, j'ai habité ici et je ne pouvais pas manger les huîtres parce qu'il y avait un pesticide dans le haut de la mer ici. Maintenant, c'est très propre. Les huîtres sont très, très bons, mais il y a un problème de l'estuaire eutrophisé. Et pour cette,
les huîtres sont à risque de l'acidification après 20 ans de travail pour laver, pour nettoyer le bay. C'est très, très tristement pour les personnes qui habitent et travaillent avec les huîtres ici. Mais ici, nous avons les estuaires eutrophisés, les rivières ici, la Mississippi, mais il y a beaucoup de rivières ici et beaucoup de rivières en toute part. Ion a créé aussi une carte de la dépendance de la personne. Et on peut voir que c'est une échelle très très petite. Les noirs, il est plus pauvre et les plus dépendantes de les huîtres. Ici sont les huîtres, les peludres. C'est un type de peludre avec une carapace très suave, très dure. Mais ici sont les huîtres. Ici, c'est les Saint-Jacques. Et puis, on a mis ces études afin de comprendre où les plus grands dangers, les plus élevées de dépendance et les plus faibles capacités se produisent tout ensemble. C'est la côte ouest. Et vous pouvez voir qu'ici, on regarde la côte ouest. L'état de Washington au sommet, à danger de CO2 et la remontée, le CO2 est plus fort ici. Il y a poids fluviaux, c'est un problème aussi. Les rivières ici, il y a 3 rivières plus grandes et un estuaire eutrophisé. Et pour cette, l'état de Washington a les risques triples. Les triple threats pour les huîtres ici. Aussi, Washington State a une plus grande récolte et un plus grand secteur de conchyculture à risque. Washington a une forte dépendance sur les coquillages, spécialement les huîtres. Ceci est probablement la raison pour laquelle l'État de Washington a pris les mesures les plus agressif dans les États-Unis pour étudier et surveiller la AO et les aquacultures et les conchycultures travaillent directement avec les scientifiques pour monitorer les conditions de la mer pour l'acide. Et quand ils peuvent voir que l'acide va augmenter et les conchycultures remover toutes les petites huîtres pour protéger-les. Ici, on regarde la côte ouest et Alaska. Et là-haut, Alaska est très froid et c'est pourquoi il y a un très fort score pour les conditions d'acidification du CO2 atmosphérique. Sont en tout l'effet des AO est très sévère, mais la dépendance sur les coquillages est beaucoup plus faible que Washington State. Et pour cette, les coquillages, ce n'est pas très important pour Alaska comme Washington State. Et la dépendance est plus bas et la vulnérabilité est plus bas aussi. Ici, on mappe la capacité d'adaptation des changements et la capacité et les tout types de capacités que j'ai expliquées, la capacité de diversité économique, on se peut changer à un autre type de coquillage, la diversité des mollusques, s'il y a un plan de changement climatique, s'il y a droit contre le AO, s'il y a laboratoire, et qu'est-ce que c'est le budget de le Sea Grant. Et nous pouvons faire un indice d'étude, et on peut faire que les départements, les counties, comme dit-on, rouges
a la capacité plus bas dans tous les États-Unis. Et les bleus est la plus haute des capacités. C'est très bon pour Washington State, qui il y a les plus grands risques, mais aussi il y a les plus grandes capacités pour adapter à les risques. Et beaucoup des États ici, dans le sud des États-Unis, a une plus basse capacité. Obviously, c'est la même communauté qui a expérimenté le plus grand effet des les cyclones, les hurricanes, comme Katrina aussi. Enfin, on a mis tout cela ensemble, comme ça. Et le score des vulnérabilités sociales reflète à la fois la forte dépendance et la faible capacité. On ne crée pas un score commun parce que on le fait avant, parce qu'on veut que les gens soient une mesure de voir où les risques sont grands et où les gens sont vulnérables. Il y a beaucoup d'études qui veulent un score, un numéro pour encapsuler toutes les informations, mais quand on a un numéro, un nombre, on perd beaucoup d'informations. Et pour ça, nous lisons les impacts sur la mer, l'acidification océanique, séparant que les vulnérabilités des les personnes. Les scores ici, c'est une combinaison des de capacités et les dépendances. Si on a très haute dépendance et très bas capacité, on a un score très très fort. Et on peut voir ici, Louisiane a un score très fort parce qu'il y a beaucoup de récoltes de huîtres, mais une très bas capacité. Et il n'y a pas un problème très grand avec le CO2 atmosphérique, mais il y a très grand problème avec les estuaires étrophisés et aussi avec les rives Mississippi ici. Mais il y a autre état qu'on mène ici, il y a une grande récolte et aussi il y a un problème avec le CO2 atmosphérique parce que c'est un état très au nord des États-Unis, mais c'est plus ou moins le même que Bretagne. Ici, c'est le 45 degrés à latitude et nous sommes ici à 49. C'est le même problème, mais la différence, c'est 7 départements et les plus pauvres en toutes les États-Unis. OK, pour résumer, notre travail à UBO, à IOM, tente de comprendre les différentes sources d'acidification des océans. Comme j'ai dit, l'atmosphérique, le upwelling, l'outrefaction des estuaires et les chemins des rives, les chemins fluviales. Comment l'eau affecte les organismes et la façon dont les gens dépendent de cet organisme. Et nous travaillons sur les corals, mais nous entendons pour faire le même type d'études ici en Bretagne. Et on doit identifier l'approche qu'on prend en utilisant des indicateurs et une première tentative pour aider à identifier les endroits où nous avons besoin plus de sciences pour comprendre les impacts potentiels des AO et des lieux
nous devons prendre des mesures pour aider les jeunes à adapter aux problèmes qui seront causés pour eux aussi. C'est les purposes de notre travail et pour identifier les lieux où nous pouvons faire action maintenant, science ou action économique pour éviter les impacts des acidifications des océans. Et dans certains cas, on peut même prendre des mesures pour réduire les fractures locales qui font à au pire, comme des rivières polluées. Par exemple, dans le raid de Brest, oui, il y a problème avec le CO2, mais aussi il y a beaucoup de rivières polluées et beaucoup de nutrifications et eutrophications qui peuvent avancer les impacts des OA et nous pouvons changer cet impact plus facilement que nous pouvons changer les concentrations de carbone dioxyde dans l'atmosphère. Voilà ce qu'on prévoit de faire quand on attend nos recherches pour voir comment AO aurait une incidence sur les coquillages en France. Nous allons travailler pour modifier l'approche, pour faire mieux et pour marcher très bon ou meilleur ici en France pour les conditions que nous avons ici. Merci beaucoup.